Dans cette vidéo, on va aborder maintenant la section 3 des notes de cours, en tout cas le début de cette section 3. On revient tout d'abord sur cette organisation générale que j'ai déjà présentée dans les deux vidéos précédentes, avec d'un côté la syntaxe et de l'autre côté la sémantique. Rappelez-vous que les formules propositionnelles pour nous, ce sont des arbres finis, avec aux feuilles des propositions tiré d'un certain ensemble P0 de propositions, et les nœuds internes de l'arbre sont décorés par des symboles de négation, de disjonction et de conjonction. Alors la sémantique, j'ai aussi donné un exemple tout à l'heure de sémantique de formule, c'est la sémantique d'une formule dans un certain contexte d'évaluation qu'on appelle une interprétation dans le cadre de la logique propositionnelle. C'est ce qui est noté ici, la formule phi sous l'interprétation i, c'est une valeur de vérité. Et les valeurs de vérité, je les note, l'ensemble de valeurs de vérité, grand B, comme algèbre de boules ou booléen, avec 0 pour le faux et 1 pour le vrai. Alors, un rappel rapide, oui, sur l'algèbre de boules, c'est pas juste dire qu'il y a le faux et le vrai, le 0 et le 1, mais on a aussi des opérations sur ces valeurs de vérité. L'opération du OU, que je noterais plutôt OR pour faire la différence, l'opération AND et l'opération NOT, et ce sont des opérations qui prennent en entrée des valeurs de vérité et donnent une nouvelle valeur de vérité en sortie. Donc dans le cas du OR, ben c'est ou logique, donc dès qu'il y a au moins une des deux valeurs de vérité qui est vraie, leur disjonction est vraie. Pour le AND, c'est l'inverse, il faut que les deux soient vraies pour être vraies, et le NOT inverse juste la valeur de vérité de son argument. Voilà. Maintenant une interprétation, je vous avais donné un exemple tout à l'heure aussi, on avait vu qu'en fait c'était quelque chose qui associait une valeur de vérité aux propositions. En l'occurrence, c'est même une fonction de l'ensemble des propositions dans les valeurs de vérité. Et ici, une notation, on note P de i, donc P une proposition. La valeur de vérité associée à P. Alors, là, je veux dire plutôt que c'est la même chose que marquer i de P. J'ai dit que i, c'est une fonction qui prenait en argument des propositions atomiques. Mais cette notation-là, c'est celle qui est plus standard en logique. On utilise un exposant ici pour le grand i. Donc maintenant que j'ai défini le domaine dans lequel je vais trouver ma sémantique, le domaine dans lequel je suis en train d'interpréter mes propositions et aussi mes formules, qui est le domaine booléen, la sémantique d'une formule phi dans une interprétation i, ça va être une valeur de vérité et elle va être définie sur ces arbres syntaxiques. Il va falloir que je donne essentiellement la description d'un algorithme récursif, d'une fonction récursive, fonction qui prend en entrée une formule, qui est paramétré par ailleurs par cette interprétation et qui me donne en sortie une valeur de vérité. Il faut que je commence par le cas de base qui est tout en bas de mes arbres, ce sont les propositions atomiques tout en bas. Il faut que je dise quelle est la valeur de vérité d'une certaine proposition P, comme ma formule c'est juste une proposition, dans l'interprétation I. Ça, c'est tout simplement justement la valeur de vérité associée à P par mon interprétation I. J'ai d'autres cas à gérer. De manière assez naturelle, quelle va être la sémantique d'une formule non phi, c'est-à-dire un nœud avec un symbole négation et en dessous une sous-formule phi. Et bien, récursivement, j'ai utilisé le calcul de la sémantique ici de phi. Donc ce sous-arbre, dans l'interprétation i, il va s'évaluer certaines valeurs de vérité, et je vais appliquer ensuite la fonction note à la valeur de retour de cette formule, de cet appel récursif. Ensuite, j'imagine que vous voyez assez bien vers où ça va nous mener. Récursivement, si je veux la sémantique de phi ou psi, je vais appeler récursivement l'évaluation de la sémantique de phi, j'appelais récursivement l'évaluation de la sémantique sur psi,
Et je vais utiliser ma fonction, mon opérateur O de mon agent booléen pour calculer la nouvelle valeur de vérité à partir de ces deux-là. Hein? Si j'ai phi et psi, la valeur de vérité, la sémantique de cette formule-là, pareil, je fais un appel récursif sous la sous-formule phi. J'ai la sémantique de la sous-formule psi et j'utilise ma fonction AND que j'ai définie dans la table juste au-dessus pour relier ces deux valeurs de vérité et obtenir une nouvelle valeur de vérité. Voyons un exemple. On reprend par exemple la formule que j'avais tout à l'heure et disons que il faut que j'indique quelle est mon interprétation. On va dire que pi quelque chose, QI c'est autre chose, disons, qu'est-ce qui peut être bien, ça c'est 1, non, toujours pas, ça c'est 0, non, 1 ça sera mieux, c'est un petit peu plus intéressant. Alors, voyons maintenant cette définition inductive, comment elle fonctionne, donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il va falloir appeler récursivement le calcul de la sémantique sur le sous-arbre gauche et sur le sous-arbre droit, et ensuite appeler la fonction AND sur ces deux résultats. Donc je vais avoir quelque chose de la forme suivante. Je vais avoir le sous-arbre gauche, c'est celui-ci. Dans l'interprétation, oui, puis le sous-arbre droit, lui, il est plus simple, c'est juste la proposition P. Okay. De la même manière, maintenant je peux regarder ce qui se passe au niveau de mes deux sous-arbres. Dans le sous-arbre gauche, je copie les appels qui sont en attente. Il faut que j'évalue à gauche et à droite. À droite, c'est facile, j'ai dit P, il est interprété par 1. Donc ça va retourner 1 cet appel. Par contre, à gauche, eh bien, il faut d'abord que je calcule la sémantique du sous-arbre gauche et puis du sous-arbre droit. Donc U dans I. Et encore quelques appels. Je recopie pour qu'on se souvienne où j'en étais. Là, j'avais AND, OR, 1. Et bon, vous imaginez bien que ça va faire ça. Voilà. Il me faut encore un dernier appel. Maintenant, je suis arrivé jusqu'aux feuilles. Ce que je vais pouvoir. Encore que je copie toute ma pile d'appels en attente ici. J'avais dit 0 ou 1. J'avais dit 1 pour que. Désolé si j'ai oublié, ça apparaît plus au tableau. Donc la sémantique, c'est égal maintenant à juste l'évaluation de cette expression, mais ça c'est une expression dans l'algèbre de Boole, il n'y a quasiment plus rien à faire, il y a juste à calculer le résultat. Alors, nom de 0 ça fait nom de 1 ça fait 0, 1 ou 0 ça fait 1, 1 et 1 ça fait 1. Donc ce truc-là, au final, s'évalue à 1. Voilà pour mon exemple. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Alors, j'ai une autre chose que je voulais vous parler dans cette partie. C'est une notation intéressante qu'on va beaucoup utiliser. C'est une définition intéressante qu'on va beaucoup utiliser. C'est une relation de satisfaction entre des interprétations et des formules. On dit que phi satisfait. Non. On dit que i satisfait une formule phi, pardon, l'échange c'est i
satisfait une formule phi, et on note i satisfait phi avec ce symbole, une barre verticale et deux barres horizontales, si la sémantique de phi dans l'interprétation i, c'est 1, c'est vrai. Donc ça, c'est une définition un peu indirecte, elle repose sur la définition de la sémantique, mais on aurait pu définir cette relation de satisfaction directement par induction, en disant que eh ben, i satisfait p i l'interprétation de p dans i au 1, ça on n'a pas trop le choix, il faut le dire comme ça. Puis que i satisfait non phi si ça n'est pas le cas, que i satisfait phi. D'accord, voilà. Ça n'est pas le cas, du coup je barre ma symbole ici de satisfaction. Ensuite, i satisfait phi ou psi. Si i satisfait phi ou psi et i satisfait phi et psi. I satisfait phi et I satisfait psi. Voilà pour cette notation. Alors, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à l'instant. Il y a quand même un lemme intéressant dans les notes de cours. Si je retrouve le numéro du lemme, ah, c'est une proposition. Propriété. Je vous l'énonce. La preuve est dans les notes. Mais c'est une propriété qui va servir assez souvent, elle correspond à l'intuition suivante. Quand vous avez une formule propositionnelle, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un ensemble de propositions, c'est là à droite, à gauche, qui apparaissaient dans cette formule et c'était un ensemble fini. D'accord? Cet ensemble FP de la formule. Et du coup, ça se vérifie assez bien. C'est que la sémantique de la formule ne dépend que de l'interprétation de ces propositions-là. C'est-à-dire que si j'y prends deux interprétations qui coïncident sur les propositions dans FP de phi, alors le résultat de la sémantique dans ces deux interprétations sera la même. Donc voici l'énoncé ici, toute formule propositionnelle. On voit pas très bien ici. Désolé, pardon. Donc, si ces deux interprétations coïncident, oups, c'est l'inverse, c'est sûr, pardon, sur les propositions qui apparaissent dans ma formule. Alors la sémantique de phi en i est égale à la sémantique de phi dans i'. Voilà. Bon.